Me zami la sosyete sityasyon kontinye komplike la an dan peyi da iti. Kote ke nega zami yo gang yo menm yo kontinye la ap taiba dayo an dan peyi da iti. Kote ke yo deside yo. pou yo finalman pran tout teritwa an da peyi an kote ki yo mem yap ataki pasi pa la nega zamyo se yo mem la kap fe la pli e le boutan e malerizman nou pa genyon l'Etat ki vreman panche sou sa nou pa genyon l'Etat ki vreman eradike gang yo la an da peyi da eti. N ap profite salue mersi pou interview sa nou tan de m kopren men ma pe mi ten tan de an se ma vem Qui n'a pas gardé l'expression visage, Ambassadeur Lantou, pas oublier non, c'est un diplomate qui parle. Pas agir avec émotion, pas faire commentaires émotionnels, mais tendez et puis comprenne, et puis par la suite, vous capable de réagir. En attendant, avec un peu d'intérêt, l'ambassadeur Lantou, vous ne Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Qui répond que ambassadeur Al-Balbai. En nous reprend elle question encore. Eh bien mes amis, ben il a vraiment compris qu'il a. L même encore, attaquée, nous il me a levé à qui il cote. situation grave qui nous même nous préalable. Bonne réponse détail un David de ça. Mais avant quoi il faut t'aller comment commandant dit Philippe lui-même lui a parlé là de Philippe lui-même lui concernant dossier ainsi que d'IA. Eh bien nous quoi il faut t'aller pourquoi abonné. Lavez surtout fait ça. Cougne à la, 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 la si abonnez-vous. Parce que moment nous moment. Même ça. En termes de, de négociation avec les gangs, non, non, non le j'ai pas, pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Euh, négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs, et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas intérêt d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Euh... Qu Est-ce que vous Est entendez bien? Mam reprenne ni, mam reprenne ni. E, e, e ti John koupe sa pou nou. E kia skap koupe pou nou nan, e, nan, nan komentèr lan? Alors nan, nan emisyon la. E ti John kwa da koupe pou nou? Ti John kwa da koupe pou nou? Eske nou tan dey kestyon an? Eske nou sezi bien dey repons ki bay la tou? Nan remen nou, e fe m senti sa. Je vais vous à gérer ça. Est-ce que nous t'endez Question Est-ce que nous comprenons Réponse là On a le encore une fois. Parce que moi-même, pour moi, ça est important. Et qu'on s'en a démarré l'émission Quitte Quittez commenter par nous. Parce que l'émission ça, mon cher bagage, est important en pile. Et pour que me faire nous tentez On avance là encore une fois. Question Réponse monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? si oui, dans quel moment? en termes de négociation avec les gangs? non, non, non j'ai pas, pas dit négociation. j'ai pas dit négociation. Euh, négociation peut venir après, mais je parle de relations. quelles sont les relations de l'ambassade des états-unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon mm -hmm. personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Est-ce qu'un ambassadeur mal répondre. Peut-être qu'on peut dire, ah non, l'ambassade américaine n'a pas qu'à communiquer avec gang, ils sont pas le dire. Mais ok, ça c'est, nous, chaque cas gagné, il y a une approche différente. Sous intervention, ou bien réponse que l'ambassadeur l'a Ça qui est important pour moi, moi-même comme haïtien, qui gagne mes ça chaque jour, qui vient parler ensemble avec nous, qui vient porter information pour nous. Kevin, batay avèk en mi pey sa, li e portan pou mwen pou ke mtande la avèk onzorey ki pètèt diferan, paske pa pliye, mwen reflechi tout jou, tout jou, tout jou, chak jou, chak jou, chak jou, chak jou sou situasyon kap devlopan Haiti ya. Chadi, li nan tèt mwen. Lo moun ap pale de Haiti, la yo pouzo moun nou kesyon ki gen rapor avèk. Gan, li ekstremèman importan pou mwen Pour me là avec nos un oreilles, une oreille, comme tu as dit ça, nos oreilles que nous gagnons, captant des sons qui, qui peut-être pas déranger les oreilles là, mais un son pour nous capter ka un bagage et puis pour nous peut-être contribuer avec aboutissement une solution. Par contre, si peut-être m'a bien exprimé maintenant façon ça. Mais qui t'aime dit non que moi temps des interventions? Hein, avec nos oreilles que nous devons faire des choses, la caille et c'est nous qui devons comme ça pour le eh, faire. Un, Ambassadeur en clairement. Pour protéger l'ambassade, ça veut dire l'établissement, etablis, hein? pour sécurité, l'ambassade, il faut toujours qu'on contact avec criminel, gang. Ce n'est pas l'autre, c'est l'homme. Vite l'homme, évitez l'homme qui contrôle là-bas. Pour sécurité personnelle, yo, ça veut dire que le personnel, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent avec eux, les le ou américain, qui travaillent à l'ambassade le le travaille américaine, les ou américain, Américains, vous voulez faire comme ça. Pour, pour sécurité personnelle, les gens le qui travaillent à l'ambassade, ils communiquent avec gang. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'ayons que ça aussi des criminels. Il a pas oublié que c'est des criminels. Mais par conséquent, pour protéger, vie les ça qui peut mourir qui pour qu'on victime, ils parlent avec Gangna. Ah ouais. Peut-être, je suis d'accord avec Mais, ça que l'ambassadeur a dit en moins, je prends partie parti ça. Je ne sais pas pourquoi pas... Dès que tu à l'homme, dès que tu ici, il faut une intervention. sous partie que l'ambassade américaine a souhaité tout profiter, bah non, tu pour ne tout gérer pour dans la tabac. Mais, peut-être, on nous quitte parti ça, on nous ou elle partie que dit qu'elle n'a pas parlé de là. Pour protéger les qui pour victime victime... Mais, m'a parler avec le criminel là. Ce n'est pas pour autant que je ne connais pas le criminel. Mais, est-ce que l'homme parle avec avec c'est criminel tout? Et c'est là, eh? et c'est là pour nous comprendre que qualité de dans la radio traditionnelle, qui a posé ouvert, il y a des fois, qui a que, ou même qui parle, ou même qui dans les médias en ligne, qui a barbecue avec Jimmy Rizier, ancien policier dans le pays d'Haïti, micro, ou c'est gang. gang. Si on parle avec le barbecue, ou pas que l'homme jeune parle avec le barbecue pour ne pas pou parler avec c'est que c'est meilleur pour me de solution avec problème de sécurité. C'est meilleur pour me parler. Et après, tous les tout, tout tout journalistes américains qui viennent en Haïti, c'est meilleur pour parler. Et c'est meilleur plus. Et pour moi, pour me dire qu'on est l'ancien, je que je dernièrement. Nous font bonne à, les m pour de avons pour partager Et tout ça, dit vous plume. plume. Pour me documenter, un des garçons m'a dit que j'étais pris en duke, plume, j'étais noté. Et je garçons dit des choses qu'ils dit. vérifier, mon chef mener enquête, je vais me causer. Bravo, barbecue. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu as choisi partager. de partager. Je sais des choses que le grand public a peut-être pas connu. Je vais dit, peuplard, toi, où est ma tu pour nous Qui t'aime collecter toujours <laughs> Monsieur, dites-nous ça très bien, oui. Tout ne capes, oui, 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 mais il faut bientôt. On travaille, pour que nous nous sommes. Nous travaillons pour la plateforme Salier. Nous sommes à zéro. Nous sommes 1 000 abonnés. Nous sommes 1 000, 30, 1 000, 50, 1 000, 40. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 Haïtiens qui nous suivent nous sur la plateforme YouTube InfoBeto. Nous sommes sûrs que, dès le départ, tout le monde qui est monté, ce visage, ce visage, ce énergie, ce gardé. C'est l'énergie ce qui est dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est qui fait que je suis rentré dans la famille, ça. te dit dit faut que nous continuions à suivre les jeunes garçons et à supporter pour qu'elle grandissent. Et nous grandissons ensemble avec Plateforme Platformes, plateforme ce pas nous. Li pour moi, li pour nous, li pour nous tous. Quel que soit ça, nous gagne que nous voulons parler de la plateforme, et puis nous sentions que c'est là pour nous parler, nous ne pouvons pas parler. nous ne pouvons pas parler. dis pour 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 passer pour moi quest que ça a ko eu comme problème Vous voyez, il n'a pas celle pour vous. Parce que ces plateformes plateforme pas e pour vous. Vous pouvez mettre la l'envie, Sans vous-même libérer la côté de Continuez. Partagez l'information avec nous. Pour que nous de gagner la crédibilité que nous gagnons. Pour nous faire travailler nous. Dans niveau de l'avancée. Sans que nous ayons soyons pas critiques. Les gens qui critique plus ou moins envie vie critiquent nous, Parce que c'est des assassins. Ils ne peuvent pas arriver sur nous parce que nous conseillons, nous ne pas faire diversion, nous ne pas vaciller, nous ne pas passer, si, nous ne pas, pas là, nous ne pas faire, nous ne pas dire mais sauf que nous conseillons, nous respectons peut-être nous, nous ne pas battre avec personne, nous remettons tout le monde, mais nous disons à ah, nous battons pour Haïti. Ambassadeur américain fait déclaration, hein? me dit à partir de là Guy Philippe supposé et qu'on approche, qui est plus clair dans la démarche pour que nous avancions avec la révolution. Elle était claire. 17 octobre, si ces âmes vont chercher, fonds chercher les âmes, fonds jeunes âmes pour nous faire une révolution. pour nous, nous libérer le pays, si ces âmes vont prendre... Il faut que nous le fassions, nous le fassions, nous tous pour que nous jouissions pour une bataille. Pour nous mettre en sécurité le pays. A, si c'est avec Babé Kiu qu'on ne peut pas pour Babé parler avec ce l'a a bogoy Isobogo et Kili Koué, même si nous connaissons ces criminels, c'est Babé qui ne peut pas pour nous, Babé Kiu ne peut pas pour nous. Dans le cas de Babé Kiu, nous ne pouvons Pour nous protéger, nous ne pouvons pas mourir. Les gens qui mourent déjà, nous comprenons que douleur grave. Ça qui mourit déjà, la famille qui ou doit avoir une justice, mais pas conséquent pour nous protéger ça pour co victime et bon ça fait n'a fait tout ça est capable pour nous protéger ça pour victime Pour nous protéger ça pour victime nous fond nous prêts pour une fonti dialoguer ambassadeur américain mes questions mes réponses et mes questions en quittant le marché la net pour nous entendre effectivement qui j'ai à dérouler. monsieur l'ambassadeur est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang si oui dans quel moment En termes de négociation avec les gangs Non, négociation. Non, J'ai pas, pas dit négociation. Négociation euh, négociations peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gangs non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts, des gangs, et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des, des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous leur demandez? dans ces échanges-là. Non, par exemple, c'est de voir, est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de, de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les, les, les balles. Alors, de voir, est-ce que c'est vraiment un attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflit dans la région? Alors c'est de confirmer les intentions de, des gangs, mais c'est limité à ça, nous n'avons pas entré d'être le, 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 le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que euh, quand les chefs de gangs doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur, dire de, pour leur demander un cessez-le-feu pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les, les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le, le contrôler. J'ai vu avec cette gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes. Ce n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier, les, de donner en plateforme aux leaders des gangs. Mais nous n'avons pas de contrôle de, de nos journalistes. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui change, Monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti, aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés, qu'est-ce qui change Quelle évolution peut-on observer Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler oui, allez-y. Non, non, je vous, je vous écoute. OK, non. <laughs> Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Euh, nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Euh, depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions, pour eux, avec leur formation. Euh, nous sommes toujours en contact pour voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec le, les, les réunions de, de l'ONU et le rôle que, à l'époque, Présidente Leblanc, en nom de TPC, a, CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps au renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est vraiment, c'est une opération International maintenant, et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de, de paix, comme le président Leblanc a dit, et comme c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite euh, la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la, la capacité, être plus sûr en termes de, de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs Anderissa. et envisager <coughs> de les accueillir comme <coughs> agents de changement euh, en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Tale, euh... tale. <laughs> On va une question de Wendell. La. Wendell demande ambassadeur là, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs pour gêner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations. Vous êtes son, o son o ancien et très compétent. Et mon cher, vous êtes un modèle. Je pense que vous êtes modèle e, mou et que vous êtes qui voulait faire métier ça, Justement, et non style vous voulez faire là au sommet au modèle mais pour nous mêmes qui c'est des combattants engagés qui peut-être pas gagner nous pas gagner même ligne et nous pas fait le même genre. mais sauf que nous mis le quoi en avancer en a des questions encore entretien avec président Voltaire pendant la visite la semaine dernière il voit la nécessité d'augmenter la, la capacité est plus sûre en termes de, de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité.